amis, avant de déclencher l'attaque décisive, il faut que nous terminions la construction de ces tours d'assaut. J'ai compris l'objet de vos critiques. Et je conçois l'impatience qui vous anime tous. Mais je ne peux compromettre par une action intempestive notre succès final. Nous aimerions simplement savoir si, avant de mourir de vieillesse, nous pourrions voir s'ouvrir les portes de la muraille qui entoure cette maudite cité. Peut-être nos fils auront-ils ce bonheur. Oh, maintenant, je suis résigné à laisser mes os ici. Si ce n'est par une blessure, j'y mourrai de vieillesse. Mais enfin, puisque Godefroy conseille d'attendre, tu peux t'en remettre à lui comme nous autres. Allons, mes seigneurs, du calme. Je ne suis pas un guerrier. Je suis un homme de prière. Je sais que Dieu veille sur nous. Mais c'est à nous de mériter la bénédiction du ciel par notre bonne entente et notre union totale. Vous avez juré obéissance à Godefroy. Il faut avoir confiance en lui. Merci, mais plus que les paroles, les faits devraient cependant vous convaincre. Vous devriez vous rendre compte maintenant de l'importance de cette expédition. Comme vous le voyez, nos hommes travaillent nuit et jour pour essayer de terminer les constructions. Espérons que ces engins pourront être utilisés dès l'arrivée de Tancrède. Ce sera un étonnement sans précédent pour nos ennemis de voir sortir de vos tours extraordinaires des grappes de soldats décidés à tout. Combien de temps va-t-il falloir attendre? Chaque jour qui passe sert à l'ennemi pour renforcer ses propres défenses et faire arriver de nouveaux renforts. Oui, Argant est déjà arrivé, ils attendent Clorinda. Comment peux-tu oser comparer ces deux-là avec un homme comme Tancrède? Mais tu as l'air d'oublier qui est Argant. Messieurs, vous voilà repartis encore à discuter. Je vous promets que lorsque Tancrède sera parmi nous, nous attaquerons, avec ou sans tour. Halte pour la nuit. Tant mieux. Les hommes sont épuisés. Ce sera pourtant la dernière étape. Jérusalem est encore loin et un retard pourrait être fatal à nos compagnons qui combattent déjà. Arrêtez-vous ici! Princesse, c'est le bon moment. Venez. Fuyez avec moi. Non, c'est une folie. Mettez ça en place. Bien. Qu'y a-t-il? Nous avons fait arrêter un petit groupe de marchands qui paraissait se diriger vers Jérusalem. Ils sont par là? Oui. Ce sont eux? Oui, oui, là. J'ai l'impression que ce sont des soldats venus pour aider les nôtres à défendre la ville. C'est bien, vous pouvez passer la nuit au campement. Accompagne-les. Mais surveille-les bien. Je ne tiens pas à avoir de surprises. Allez, venez. Hey. Tu fais partie de cette caravane? Oui. Est-ce que cela t'étonne? On ne rencontre pas tous les jours une femme comme toi dans le désert. C'est ma vie à moi, la vie des nomades. Je vais d'une oasis à l'autre. Ce n'est pas la vie rêvée pour une femme en temps de guerre. D'autre part, la région est infestée de pillards. Alors, qu'est-il venu te dire? Il m'a invité à partager son repas. Je n'ai pas pu refuser, sinon il m'aurait suspecté. Mais quelqu'un peut te reconnaître, ta vie est en danger. Je ne cours aucun risque. Personne ici ne peut me trahir. Il n'y a qu'une seule personne parmi les prisonniers qui me connaissent.
C'est Herminia, la fille du roi d'Antioche. Et jamais elle ne dira rien. Que veux-tu? Non, je n'ai besoin de rien. Je crois que cette fois, c'est moi qui peux être utile. Et comment? Avant de parler, je voudrais que tu me fasses une promesse sur ton honneur de chevalier et de croisé. C'est vraiment indispensable? Tu ne feras aucun mal à la personne dont je vais te parler. Si elle te tient tellement à cœur, eh bien, je te le promets. Parle. Dans la caravane à qui tu as offert l'hospitalité si généreusement, tu as une ennemie. Une femme? Oui. Mais elle, ce n'est pas une femme comme les autres. C'est certainement le plus dangereux de tous tes ennemis. Elle a juré d'exterminer tous les croisés. Dis-moi son nom. Clorinda, la fille du roi des Perses. Tu n'oublies pas ta promesse? Sûrement pas. Mais je ne peux pas oublier non plus que j'ai juré de combattre l'ennemi jusqu'à la mort. Mais toi, pourquoi m'as-tu révélé qui était Clorinda? Tu devrais être son allié pourtant. Ma première impulsion était de te sauver, toi. J'ai voulu ainsi te remercier de ta bonté envers moi et envers les autres prisonniers. Mais je ne veux pas causer la mort d'une femme qui lutte aussi héroïquement pour la liberté de son peuple. Oui, tu as agi loyalement. Mais il faut surtout que personne ne se doute que Clorinda est ici. Car ma promesse n'engage pas mes compagnons d'armes. Et maintenant, laisse-moi. Belle inconnue. Je ne pensais pas que tu tiendrais parole. Merci. Pourquoi? Pour ça. Ça n'est pas dans tes habitudes? Tu n'es pas censé savoir à quel point un chevalier et un croisé sait tenir sa parole. Assieds-toi. Tu peux t'en aller, on ne t'arrêtera pas. Moi seul sais qui tu es. Pourquoi me traites-tu ainsi? On ne peut tuer que ceux que l'on hait. Et je ne peux te haïr maintenant que je te connais. Pourquoi ne laisses-tu pas les soldats répandre le sang? Tu es né pour faire le bonheur d'un homme, et non pour cette vie de violence et d'horreur. Chacun doit suivre son destin. Or, ma vie ne compte pas tant que se joue le sort de mon peuple. Celui qui commande a des devoirs. Crois-moi, je regrette sincèrement que tu sois mon ennemi. Mais j'ai juré de combattre. Et si je dois te rencontrer sur le champ de bataille? Le ciel veuille que cela ne se produise jamais. Si nous devons nous revoir, ce ne sera que de cette façon. Et si tu te trouves devant mon épée, seul un miracle pourra te sauver. Tu te leurres, Clorinda. Tu ne peux te mesurer avec moi. Si un jour le mauvais sort nous mettait face à face dans une bataille... La force, ce n'est pas tout dans la guerre. Quelquefois, l'habileté l'emporte sur la puissance. J'abandonne tout espoir de te convaincre. Je voudrais que le sort n'était pas placé sur mon chemin. Maintenant, il m'est impossible de t'oublier, Clorinda. Et moi, je suis heureuse de cette rencontre. Mais à quoi bon dire tout cela? Il faut que je te quitte. À moins que je ne sois ta prisonnière.
Je t'ai dit que tu étais libre. J'espère que le ciel me donnera la force d'oublier ta générosité. Un moment. C'est un signe de respect et d'admiration. Adieu, Tancred. Toi, Tancred, tu prendras position ici. Près de la porte du Levant. Le point le plus exposé est celui-ci. Mais je doute qu'ils attaquent en force. La nature du sol empêcherait les manœuvres et l'emploi de la cavalerie. D'abord, ils n'auront pas le temps de bouger parce que nous attaquerons les premiers, j'espère. Oui, tu penses. Et Godefroy attendait tes conseils pour passer à l'attaque décisive. Pour toi, c'est déjà comme si la bataille était gagnée. Bien sûr. Mais avec toi à mes côtés, je me sentirais capable d'enfoncer les portes de l'enfer. Ah, merci. Mais mes hommes sont fatigués. J'espère que vous m'accorderez quelques jours pour les laisser reprendre des forces. Naturellement, mais nous ne pouvons t'accorder qu'un délai très court. Inutile de m'en dire davantage. Je sais bien que chaque heure gagnée est précieuse pour l'issue du combat. J'ai échoué dans la mission que vous m'avez confiée. Je n'ai pas réussi à obtenir que Godefroy de Bouillon accepte un armistice. C'était une mission sans espoir, mais le ciel a exalté l'orgueil de notre ennemi pour que plus amère lui paraisse ensuite l'humiliation. Dans l'excès de son assurance, il est allé jusqu'à me faire don de cette épée. Regardez-la. En acier damasquiné. Un tranchant exceptionnel. Une épée digne d'un grand guerrier comme toi. Et j'en ferai bon usage quand viendra l'heure de la noyer dans un torrent de sang ennemi. Qu'est-ce que c'est? On exécute deux jeunes exaltés. Fait pour mériter cette exécution. Ils ont prononcé des paroles qui tendent à prouver leur connivence avec nos ennemis. Ce sont presque des enfants. Comment est-il possible qu'ils aient pris une position aussi nette? Ils ont avoué tout à l'heure, il est juste qu'ils soient punis. Pourquoi veux-tu partager mon sort? C'est moi qui suis coupable. Ils n'avaient rien à te reprocher. Je le fais par amour pour toi. La vie nous avait séparés. Au moins, la mort nous permettra d'être réunis. De quoi t'inquiètes-tu? Laisse-les suivre leur destin. Nous ne pouvons entraver le cours de la justice. Il y a de nombreuses manières de rendre la justice et de servir son pays. Nos ennemis ont maintenant des dizaines et des dizaines de nos frères prisonniers. Nous pourrions demander qu'on leur rende la liberté si nous offrons la vie de ces deux-là en échange. Nous ne savons pas si les croisés sont disposés à accepter. Je ne voudrais pas m'exposer à un refus. Je suis sûre qu'ils accepteront. Si j'insiste, c'est parce que je voudrais sauver une personne que tu aimes beaucoup. Tancred a comme prisonnière Herminia, la fille du roi d'Antioche. Comment, ma nièce? Je croyais qu'elle avait été tuée ainsi que son père. Elle est vivante. Je l'ai vue de mes yeux. Et Tancred est disposé à racheter ainsi la liberté des prisonniers que tu détiens. Faites suspendre l'exécution. Arrêtez! Déliez-les! Suspendez l'exécution! Ordre du roi Aladin! Allez! Non, c'est une preuve de générosité que de sauver la vie d'une femme quelconque. Peut-être que non. Mais je suis sûre que toi, par exemple, tu considérerais comme une insulte qu'une femme se refuse à toi. Et que tu la tuerais s'il s'agissait d'une femme quelconque. Tu as refusé de me donner ta main, Clorinda, et je considérais ça comme une insulte. Mon père m'a promise à toi. Et je respecterai la promesse qu'il t'a faite quand nos ennemis auront quitté notre sol. Et ceci n'est ni une insulte, ni un refus. C'est un pacte. C'est pourquoi j'ai la force d'attendre. Mais si je venais à apprendre qu'un autre homme s'interposait entre nous,
Je le tuerai comme un chien. Souviens-t'en bien. Aladin a été informé que sa nièce Herminia, la fille du roi d'Antioche, est prisonnière depuis quelque temps. Alors, il propose un échange loyal contre d'autres prisonniers. C'est la première fois depuis le début de la guerre que nous avons une telle possibilité. Je me demande d'où vient cette décision. Il s'agit d'une idée que Clorinda a suggérée. Ah. La proposition vient de Clorinda. Mais quelle est ta réponse? Il n'y a aucune objection de ma part. Discutez entre vous les termes de l'échange, messieurs. Entre-temps, je vais prévenir Herminia. Excusez-moi, je ne serai pas long. Je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. Tu vas retourner parmi les tiens. Tu es libre. Libre? Oui. C'est Clorinda qui a proposé un échange de prisonniers. Herminia, moi qui croyais que tu allais accueillir cette nouvelle avec joie, qu'y a-t-il? Rien. Oh. Ce n'est pas le moment de pleurer. Tu vas aller retrouver ta famille et tes amis. J'aurais préféré que tu m'aies tué, Clorinda. Ainsi, ma haine aurait pu être justifiée. Mais qu'est-ce que tu dis là? Pourquoi voudrais-tu me haïr? Je sais que je suis injuste envers toi. Mais je n'y peux rien. Écoute, si Tancred ne t'aimait pas, j'aurais eu la chance de rester près de lui. Seulement, il s'était pris de toi. Il t'a aimé dès le premier moment où il t'a aperçu. Que dis-tu? C'est absurde. C'est la vérité. Il me l'a avoué lui-même avant que je parte. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Oh, les mots n'ont pas d'importance. Il ne peut plus t'oublier, je le sais. Il ne pourra plus jamais aimer une autre que toi. Pardon, Clorinda. Argante désirerait que tu le reçoives. Fais-le entrer. Et toi, retourne dans ta chambre. Je viendrai t'y rejoindre. Adieu. Sans le vouloir, j'ai entendu tes dernières paroles. Je suis heureux que tes sentiments vis-à-vis de Tancred n'aient pas changé. Et je voudrais que tes victoires te soient un motif d'orgueil, comme elles le sont pour moi, et pour tous les bons guerriers dignes de ce nom. As-tu jamais pensé qu'un guerrier, si bon soit-il, peut parfois désirer cesser de se battre? Merci. Alors, buvons à celle qui t'a ensorcelé. Comment s'appelle-t-elle? Allons, tu peux le dire. Ah, tu vas t'endormir. C'est l'aube. Non, je ne veux pas bouger tant qu'il reste à boire. Renaud, tes hommes sont en train de se battre. Argante et Clorinda ont réussi à pénétrer dans ton campement. Qu'est-ce que tu dis? C'est impossible. Ils sont arrivés par surprise. Seul Dudum fait front devant eux. Allons vite! Je veux le tuer de mes propres mains. Je sais tenir une épée. Tu apprendras à tes dépens qui est Argante. Ne t'inquiète pas, ta réputation d'assassin est connue de tous. Par
t'épargnerai si tu me dis où se cache Renaud. Renaud ne se cache pas. Tu vois bien cette lame. Si tu m'avais dit où il est, eh bien c'est lui qui mourrait à ta place, vieil idiot. On ne trouve Renaud nulle part. Allons, Ansel. 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 Nous rentrons, Ansel. Essayons de recouper la route. Renaud, va au campement, regroupe tes hommes, en avant. Attention! Refusez le combat! Dispersez-vous! Devenir ta prisonnière. N'approche pas, je te dis. Si tu fais encore un pas... Lâche-moi. Que veux-tu en échange de ma liberté ? Je veux simplement t'empêcher de combattre et d'exposer ta vie plus longtemps. La mort est ce que je crains le moins sur cette terre. Laisse-moi partir si c'est ta seule raison. Entre là. Et qu'est-ce que tu as ? Je sais ce que tu as dit à ma cousine. Mais tes sentiments pour moi n'ont aucun sens. Herminia, elle, souffre parce qu'elle me croit un obstacle à son amour. Tu as le droit de disposer de tes sentiments, Clorinda, mais pas des miens. Je t'aime, Clorinda, et je ne peux aimer aucune autre femme. Je t'en prie. Je t'aime. La guerre finira bien un jour. C'est inutile, Tancred. Adieu. Je jure que je ne laisserai pas cet affront impuni. Godefroy, as-tu donné l'ordre d'attaquer ces maudits assassins? Ils sont maintenant retranchés derrière la muraille, on ne peut rien faire. Il faut faire quelque chose, ils ont tué Dudon et piétiné mon étendard. Calme-toi, Renaud. Nous sommes tous aussi accablés que toi par la mort de Dudon, un de nos plus valeureux compagnons. Mais l'insulte me vise directement. Si nous ne passons pas à l'attaque tout de suite, ils vont nous prendre pour des lâches. La prudence n'est pas de la lâcheté. Non, mais c'est une bonne excuse pour la masquer. Oh. Je ne veux pas relever ton insulte. Notre mésentente ferait trop bien le jeu de nos ennemis. Et je suppose même que c'est la vraie raison de cette brève et inutile incursion. Que veux-tu dire? Ce n'est sûrement pas pour tuer quelques soldats et abattre quelques tentes qu'ils ont couru tant de risques. Pense-y. Je suis venu ici pour combattre et non pour penser. Emportez-le. Si
sait où ce chien était caché. Je me le demande. Il n'a même pas eu le courage de se montrer, de commander ses hommes. Quoi qu'il en soit, même si Renaud n'a pas été tué, la mort de Dudon a été plus utile que tu n'as l'air de le croire. Oh, quelle utilité la mort d'un chef de l'âge de Dudon peut-elle présenter? Une très grande utilité, parce qu'elle a servi à faire naître chez les autres chevaliers le germe de la jalousie pour prendre sa succession. Mes espions m'ont déjà appris d'ailleurs que Godefroy de Bouillon a dû user de toute son autorité pour essayer de ramener un peu d'ordre et empêcher Renaud d'entreprendre aussitôt une grande attaque de représailles. Ah, si au moins ils avaient pu le faire. Oui. Mais la sagesse de Godefroy l'a emporté. Et maintenant, sur ce point, il y a discorde également entre les deux chefs. Et cette discorde pourra nous être plus utile qu'une grande bataille victorieuse, mais agissons avec subtilité. Mais comment? Tu connais Armide, la fille du roi de Damas? Je crois qu'elle a toutes les qualités pour tirer profit de cette situation. J'ai une très grande admiration pour l'intelligence et plus encore pour la beauté éclatante de notre allié Armide. Mais je doute que tous ces dons réunis puissent nous aider à remporter la victoire. Si tu parles ainsi, je vais douter à mon tour de ton intelligence. Ne t'a-t-on jamais appris que l'habileté et la séduction féminine valent souvent autant et quelquefois plus que l'habileté guerrière? Je soutiens que les femmes ne sont utiles à la guerre que si elles combattent comme Clorinda. Ah, je regrette, car je n'ai aucun talent pour tirer l'épée comme elle. Mais j'affronte aussi courageusement l'adversaire avec mes armes. Voilà ce que je vous propose. J'affronterai Renaud. Je vois. Avec tes regards langoureux. Ou peut-être avec la danse des sept voiles. J'irai seule au campement de Renaud. Sous un faux nom, bien sûr. Je leur dirai que je hais Aladin parce que depuis toujours, il persécute les miens. On ne peut pas utiliser des moyens pareils. C'est déloyal. Armide n'est pas un guerrier. Et nul n'exige la loyauté en ce qui concerne les femmes. Qu'espères-tu obtenir? Que Renaud accepte tes caresses savantes pour te faire massacrer ensuite? Pourtant, Argand, tu peux être sûr que je sais aussi exécuter tous les détails précis d'un plan. Je me bats aussi à ma manière. Il y a une heure qu'ils discutent et ils réussissent pas à se mettre d'accord. Eh, dites donc, je parie tout ce que je possède que Renaud prendra le commandement à la place de Dudon. Bien sûr, la plupart des autres chevaliers se feraient tuer pour lui. Et Guernant ne s'y opposera pas? Vous verrez ce que je dis. Oh, mais est-ce que je rêve? C'est bien une femme? Ce serait difficile de s'y tromper, elle a l'air d'avoir tout ce qu'il faut. Et elle est pas mal du tout pour une femme du coin. Oh, ça c'est une belle fille. Pas de danger que ce soit moi qui l'ai trouvée. Je me refuse à continuer la discussion. Je m'en remets à la décision de la majorité. Pour ce que tu sais parfaitement que c'est un vote pour la forme. Tu peux déjà te considérer comme élu. Mais avant de procéder à l'élection, vous devriez peser avec soin les motifs de mon opposition. Renaud, on a capturé non loin d'ici une femme qui se dirigeait vers le campement. Elle veut te parler. Dis-lui de patienter. Non, pas du tout. Fais-la entrer. Tu ne vas pas nous faire perdre un temps précieux pour écouter les sottises d'une espionne. C'est moi qui donne les ordres ici. Allons, approche. Excusez-moi, qui d'entre vous est Renaud? Moi. Tu voulais me voir? Oui, mais ce que j'ai à te dire est secret. Je suis venu au péril de ma vie. Sortez tous, je vous prie. Mais nous ne pouvons pas ajourner les élections. Il faut conclure aujourd'hui. Tu as dit tout à l'heure que tu me considérais comme élu. Il est donc inutile de continuer à discuter. Mon expérience... Je sais ce que tu veux me dire. Une fois élu, j'apprécierai tes conseils. Viens, viens, laissons-le. Ce n'est pas le moment de se fâcher. Vous dites que vous êtes des chevaliers. Et vous n'avez ni courage, ni pitié. Renaud, je ne te permets pas. Je n'ai pas besoin de ta permission pour te dire ce que je pense. Et je pense que vous êtes des gens privés d'esprit de sacrifice et de compréhension. Tu parles sans réfléchir. De toute façon, cette femme ne peut pas rester ici. Je la prends sous ma protection. Mon campement est assez grand. Et on peut très bien lui trouver une tente. Je te suis reconnaissante. Mais je ne veux pourtant pas que tu te dresses contre tes amis par ma faute. J'affronterai toute seule ma destinée. Tu viendras avec moi. Tu as déjà trop souffert comme ça. Allez, viens. Nous ne pouvons pas supporter davantage les outrages de Renaud. Tu dois intervenir tout de suite et de toute ton autorité. Renaud a toujours été impulsif.
Et je préfère essayer encore d'employer la persuasion. Hé, regardez! Ben, il reste au camp. Ah, alors il y a de l'espoir pour moi, les amis. Non, mais dis, pour qui tu te prends? Tu t'es jamais regardé en face? Tais-toi donc, Blanc-Bec. Dans mon pays, j'ai fait bien des ravages dans le cœur des filles, tu sais. Tu es trop bon, Renaud. Je ne peux pas accepter cela. Tes chefs... Je n'en ai pas. Mais depuis la mort de Dudon, personne ne peut me donner des ordres. Tu resteras ici. Tu es l'homme le plus noble et le plus fort que j'ai connu. J'essaie de faire mon devoir. J'espère un jour pouvoir te prouver aussi ma reconnaissance. Mais je ne peux rester ici. Godefroy avait raison. Une femme ne peut vivre ainsi au milieu des soldats. Personne n'osera te toucher. Tu habiteras sous ma tente. Et je te jure que celui qui osera en franchir le seuil le paiera cher. Mais tu vas t'opposer à tous les autres? Pourquoi le fais-tu? Si ton geste devait te faire perdre l'estime des autres croisés, je ne me pardonnerai. Personne ne s'opposera à mon élection. Oui, peut-être, avant mon arrivée, mais tu t'es élevé contre Godefroy. Et il pourrait bien choisir quelqu'un d'autre. Il n'en aura pas le courage. Renaud, pour la dernière fois, renvoie cette femme. Tu ne vas tout de même pas te dresser contre Godefroy pour elle. Sors immédiatement. J'en ai assez de vous et de vos conseils. Je n'ai pas d'ordre à recevoir de Godefroy, et encore moins de toi. Pour commander, il faut autre chose que la valeur. Il faut avant tout la prudence. Si Armide reste ici, je m'opposerai à ton élection de toutes mes forces. Tu vois, je t'ai dit ce qui allait arriver. Ils éliront un autre que toi à ce poste. Et qui? Peut-être Guernant. Maintenant, tu vas voir ce qui arrive à qui ose me défier. Tu es un hypocrite. Avoue au moins que tu voulais le commandement. Je t'ai dit ce que j'en pensais, je n'accepterai pas d'obéir à un fou. Et si tu continues à agir ainsi, tu es complètement fou. Retire ce que tu as dit, retire-le immédiatement, sinon... Sinon quoi? Est-ce que tu espères me faire peur? C'est la faune de cette intrigante. Ne l'écoute pas. Et vous? Qu'est-ce que vous regardez? Emportez-le maintenant! Pourquoi tu fais ça? C'est ma faute. Si je ne l'avais pas tué, il n'aurait pas hésité à me tuer, lui. Sois-en sûr. Non. Non, Renaud, je ne t'apporte que des complications. Je me sens coupable. Il faut que je m'en aille d'ici. Mais qu'est-ce que tu dis? Ne sais-tu pas que pour toi, je serais prêt à tuer même Godefroy? Armide, tu m'as ensorcelé. Renaud, le conseil a décidé de te punir. Et on ignore encore la mort de Guernant. Il m'avait insulté. Je ne sais si tu as tort ou raison, mais écoute ce que je vais te dire. Va-t'en avant qu'il ne soit trop tard. Tu voudrais que je fuie? Tu n'as pas le choix. Tu ne mérites pas de punition, mais tu ne pourrais l'éviter si tu restais là. Mieux vaut partir tout de suite. Nous allons partir ensemble. Bertrand, vite, mon cheval. Prépare mes armes. Nous avons besoin d'une escorte. Réunis 30 de mes meilleurs soldats et rejoignez-moi à la grotte des Fougères. Bien. Renaud a fui. Quand je suis entré, je ne l'ai pas trouvé sous sa tente. Allons à sa poursuite. Laissons-le, mes amis. Nous éviterons de porter la responsabilité de son arrestation. Maintenant, la seule idée de combattre me fait horreur.
Je ne peux pas oublier que nos adversaires ont toujours été loyaux envers nous. Et que dans leur rang, il y a des hommes courtois et nobles qui méritent toute notre admiration. Tancrède. C'est tout ce que j'ai entendu. Tu sais maintenant quels sont ses véritables sentiments. J'aurais pourtant dû m'en douter. Il le paiera cher. Va. Je suis heureux de te rencontrer. Cela m'épargne la peine d'aller te chercher. Qui t'autorise à me parler sur ce ton? Je ne suis pas ton esclave. Tu pourrais le devenir quand j'aurai révélé au roi tout ce que je sais. Et que sais-tu? Je n'ai rien à cacher. Ah non? Et tes rencontres secrètes avec Tancrède? Ils font probablement partie de ton plan d'attaque. C'est ta façon de gagner les guerres. Il n'y a rien de secret dans ces rencontres. Il m'a battu en duel, et il m'a épargné alors qu'il pouvait encore me tuer. Et tu as certainement su comment le récompenser. Nous allons aller voir le roi ton père, et je m'occuperai de mettre un terme à cette histoire. Pour être sûr de la victoire, nous devons nous débarrasser d'une autre personne. Donne-moi l'autorisation de me battre seul contre Tancrède. Je voudrais défier ce bâtard. Il faut que je le tue. Ce sera une joie. Et quand nous serons enfin débarrassés de lui, l'ennemi battra en retraite, et avant qu'il soit longtemps. C'est un duel inutile. La perte d'Argante ne sera pas décisive pour nos ennemis, tandis que pour nous, ce serait une perte grave si Tancrède était... N'aie aucune crainte. Notre Tancrède est un homme d'armes exceptionnel. Oui, je le sais. Thank you.
Les deux adversaires ont combattu avec courage et loyauté. Le résultat du duel est nul. Il n'y a ni vainqueur ni vaincu. Si les combattants acceptent, la rencontre sera reportée à demain. Plutôt que tu ne veux pas m'aider à rejoindre Tancred. Glorinda, Argan désire te voir. C'est bien. Excuse-moi, Herminia, il faut que j'y aille. Ne pleure pas, calme-toi. Repose-toi en m'attendant. Tenu ma promesse, je voulais pourtant t'offrir la tête de Tancred, mais je le ferai demain. Ne vends pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. J'aurais voulu t'offrir un beau cadeau de mariage. Si tu m'as appelé uniquement pour me dire ça, tu pouvais t'en abstenir. Glorinda, écoute, j'ai besoin de toi, ce maladroit de médecin m'assassine. Va, je vais le soigner. Ouvrez! Si elle est surprise par une ronde et demie, elle risque de se faire tuer. Qui va là? Regarde ce Glorinda! Donne l'alarme! Allez! Qu'est-ce qui se passe? Ils sonnent l'alarme, ils l'ont découverte. On aurait dû l'empêcher de sortir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut envoyer des renforts? Il vaut mieux avertir les chefs, ils décideront eux-mêmes. Glorinda est sortie de la cité. Ils doivent l'avoir capturée. Qu'est-ce que cette plaisanterie ridicule? Ah ben, elle avait ta cape, alors on a cru que c'était toi. Ça doit être Herminia. Elle voulait absolument s'absenter ce soir. Et elle aura pris mon manteau. Espérons qu'ils ne l'auront pas tuée. Venez, venez!
C'est son casque. Alors elle est sûrement près d'ici. Vous, continuez à la chercher en suivant le fossé. Moi, je vais avertir Tancred. Il n'y a aucun doute. C'est bien son casque. Nous l'avons trouvé dans un fossé. Je pense qu'elle doit être blessée. Elle ne peut pas être loin d'ici. Prépare mon cheval. Je vais la chercher. Sois prudent. C'est peut-être un piège, une feinte pour nous tromper. C'est une proie trop importante pour la laisser échapper. Dépêche-toi. Vous l'avez trouvé ? Non, rien ! Aucune trace ! Je vais rentrer au campement. Si vous la trouvez, venez aussitôt me prévenir. Allez. Viens ! Viens ici ! Mais où vas-tu ? Hé, hey, toi ! Allez, viens. Non, attends. As-tu vu passer quelqu'un par ici ? Non, j'ai vu personne. Mais ne t'en va pas ! Allons, écoute-moi. Enfin, de quoi as-tu peur? J'ai pas peur. Maman, pourquoi tu ne le dis pas? Tais-toi, rentre à la maison. Un instant. Que voulait dire ton fils? Si quelqu'un me voyait te parler, on nous tuerait, mon petit garçon et moi. Si tu sais quelque chose, parle, je ne te veux aucun mal. Dans ma cabane, il y a un soldat du camp, je suppose. Il est blessé à mort. J'ai eu pitié de lui. Et maintenant, je ne sais pas quoi faire. Emporte-le, je t'en prie. Où est-il? C'est par là. Si tu veux, je t'y accompagnerai. Oui, viens. Pardonne mon audace. J'ai voulu te parler en personne parce que ce que j'ai à te dire est de la plus haute importance. Eh bien, parle. Parle, je t'écoute. Oui, mais les nouvelles que je t'apporte valent de l'or, beaucoup d'or. Tu seras récompensé si elles en valent la peine. Allons, parle. Il s'agit d'un des chevaliers ennemis. Je sais comment tu pourras le faire prisonnier sans risquer un seul de tes soldats. Qui est-ce? Tancred. Tancred? Tiens, dis-moi où il est. Tu me reconnais? Je suis Tancred. Renaud est mon ami. Dis-moi ce qui s'est passé. Armide, c'est elle. Comment? Essaie de parler. Armide. Glorinda. Enfin, te voilà. Je t'ai cherché partout. Que venais-tu faire cette nuit dans notre camp? Je ne suis pas venue. Herminia avait pris ma cape. Elle voulait venir te rejoindre. Herminia? Mais toi, alors, pourquoi es-tu là? Eh bien, réponds-moi. Je n'en sais rien. Il est difficile pour une femme comme moi d'exprimer ses sentiments. Pourquoi t'ai-je rencontrée? Glorinda. J'ai voulu te prévenir de ce qui est arrivé à Renaud. Crois-moi, Tancred. J'ai tout fait pour qu'Armide ne vienne pas. Personne n'a voulu m'écouter. Oui, Renaud est son prisonnier. Et peut-être la mort serait-elle préférable pour lui. Mais où est-il? Je veux le délivrer. Et comment veux-tu le faire? Si Armide se croit menacé, cela ne fera que précipiter la mort de Renaud. Armide ne se doutera de rien si j'y vais tout seul. Tout seul? Je sais que tu le ferais aussi pour un ami. Le palais d'Armide se trouve dans la vallée de Kaya. C'est à une journée d'ici environ. Si vous considérez Tancred comme un homme d'honneur et nos soldats comme des adversaires loyaux, vous devez accepter ce que je vous suggère au nom de mon chef, le chevalier Godefroy de Bouillon. Vous devez renvoyer la rencontre à 24 heures. Nous aurions pu nous en douter. Tancred n'est pas encore remis de ses émotions. Regardez, voilà les valeureux chevaliers. Ils viennent s'aplatir comme des vermisseaux pour sauver la peau de leur faux héros. N'importe lequel de nos officiers ou de nos soldats peut faire taire les présomptueux et les insolents de ton espèce. Je suis prêt à croiser le fer avec toi sur le champ. Je veux laver cet affront. Qui oserait se battre contre un vieillard? Vilongeance! Je ne te permets pas d'insulter mes cheveux blancs. Cela suffit. De quoi te mêles-tu? Je suis
suis pas Tancrède pour avoir besoin d'un garde du corps. Après un tel affront, il n'est plus possible de chercher une solution. Alors la rencontre aura lieu. Venez. Voilà le résultat obtenu. Je suis sa victime maintenant. Je suis amoureuse de lui. Si tu avais la force de patienter, je suis sûre que... Je lui ai tout offert, tout. Mon palais, mes richesses, la vie de ses hommes aussi. Comment peut-il me résister encore? Pourquoi préfère-t-il moisir dans une prison plutôt que de céder à mes prières? Tu verras, quand il sera abandonné de tous ses hommes, il sera trop content. Non, je ne veux plus attendre. Je veux que Renaud vienne immédiatement. Va. Selon vous, je devrais céder à cette vipère pour vous sauver. Oh, pauvres innocents. Mais si j'acceptais de tomber dans ses bras, je ferais la même fin que tous ces traîtres. Vous comprenez? Du calme. Personne ne te fait de reproche. Même si nous avons une possibilité de nous sauver, nous ne t'abandonnerons pas. Renaud. Armide veut te voir. J'ai attendu en vain ta décision. Que comptes-tu faire? Je répète ce que je t'ai dit hier. Si j'avais imaginé une telle perfidie, je t'aurais étranglé de mes propres mains. Tu peux m'accuser de tout ce que tu veux, mais si j'agis ainsi, c'est parce que je t'aime. Je ne tolérerais jamais tes insultes si je n'étais aussi ridiculement amoureuse de toi. Comment peux-tu parler d'amour, toi qui respires la haine, la cruauté et le vice? Lâchez-le, vous autres. Tu es plus cruel, toi qui oses me résister. Qu'est-ce que tu veux? La mort de tes compagnons? Bien. Tu vois, tes amis pourraient être bien traités. Des filles comme elle ou comme toi, on peut les trouver à un prix moindre que celui que tu exiges. Si tu parles de prix, je vais te faire voir à quel prix j'estime ton orgueil. Qu'est-ce que tu veux dire? Je t'avais averti. Chacun de tes refus signifiera la mort d'un de tes compagnons. Tu l'as voulu. Je te l'ai dit. En tout cas, tu as encore le temps de sauver les autres. Souviens-t'en. Je ne me souviendrai que de ton infamie. Je connais le moyen de te faire tout oublier, tout ce que tu voudras, et quand tu voudras. Je suis un envoyé de Florinda. Je dois parler à l'un des prisonniers de sa part. Mais je n'ai pas... Vite, accompagne-moi. C'est urgent. C'est un envoyé de Florinda. Il veut interroger l'un des prisonniers. Il faut aller demander l'autorisation d'Armide. Ah.
Où est Renaud? Où est Renaud? Cachez-vous! Attention. Tancrède! J'expliquerai plus tard. Suivez-moi! On avance! Vite, vite! Non. Non, n'entre pas. Que viens-tu faire? Il faut que j'entre. Excuse-moi, Armid. Les prisonniers ont été délivrés. Ils se sont emparés des armes des geôliers et maintenant nous ne pouvons plus les repousser. Que s'est-il passé? Je ne sais pas, les deux geôliers ont été tués. Ne t'approche pas, Armid, ils vont te tuer! Arrêtez! Tu es le vainqueur. Maintenant, Renaud, tu peux me tuer si tu veux. La famine et la maladie sont en train de décimer les rangs adverses. Renaud et Tancrède ont abandonné le camp. Leurs meilleurs soldats manquent à l'appel. Maintenant, ils ne pourront plus résister longtemps. Et je suis convaincu que le moment est venu de provoquer la rencontre. C'est inutile. Ils n'attaqueront pas. La tactique de Godefroy est celle de l'attente. Il veut certainement attendre Tancrède. Son retour ne changera rien. Il ne pourra pas changer l'issue de la rencontre. Lui, non. Mais les tours d'assaut pourront bien la compromettre. Que veux-tu dire? J'ai appris depuis un moment que Godefroy a fait mettre au point des tours pour assaillir nos murailles par le sommet. J'ai peur que l'intervention de cette arme ne soit décisive. Mais Godefroy n'osera pas donner l'assaut à la muraille dans les conditions actuelles. Il sait que ses soldats ne le suivraient pas. Tu oublies que ces gens combattent pour une cause qu'ils croient sacrée. Ils se feraient tous tuer si leur chef l'exigeait. Quand crois-tu qu'ils attaqueront, alors? Si les informations reçues de nos espions sont exactes, les tours vont être placées sous la muraille cette nuit même. Et l'attaque doit commencer au lever du jour. Vous êtes prêts? En avant! Doucement! Allez-y! Toujours, toujours! Ta servante m'a dit que tu étais éveillé et que tu pouvais me recevoir. Pourquoi ne t'en poses-tu pas? Je n'en sais rien. Je n'arrive pas à m'endormir. Je pense que demain, peut-être, je ne pourrai plus voir le ciel. Les étoiles, cette lune argentée. Mais tu déraisonnes. Pourquoi songer à cela avant la bataille? Ça pourrait... Cela pourrait me porter malheur. Non, rassure-toi. Crois-tu que si j'avais peur de mourir, j'aurais vécu comme j'ai vécu jusqu'à aujourd'hui? Je ne pourrais t'aimer autant si je doutais de ton courage et de ta valeur. Merci. Je sais combien tu m'aimes et m'estimes. Mais contre le destin, nul ne peut lutter. Ne crains rien. Demain, nous reviendrons vainqueurs comme toujours. Tu verras. Il n'y aura pas d'assaut avec leur tour. J'ai réussi à convaincre Aladdin d'en tenter la destruction. Cette nuit même.
Alors vous avez compris, vous sortirez par deux. L'un abattra la sentinelle et l'autre aspergera la tour de résine. Quand le moment sera venu, vous donnerez le signal. C'est d'accord? Vite, c'est l'heure. Hé, hey, vous! Tenez-vous prêts avec les torches allumées. Quand ce sera le moment, vous vous précipiterez pour incendier les tours. Lancez les torches et vous ramenez aussitôt. Ils ne donneront l'alarme que quand les tours commenceront à brûler. Ouvrez la porte! Allez! Et faites vite! Plus vous irez vite, plus vous aurez de chances de réussir. Allez, 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 allez! Au secours! Au secours! Ils vont incendier les tours! Sonnez l'alarme! Aux armes! S'en vont les tours! Vite, les tours! Vite, aux armes! Vite, vite! Éteignez les feux! Il faut sauver les tours! J'ai bien peur qu'il nous ait coupé la retraite. Faut tout de suite envoyer des renforts. J'y vais. Nous avons évité que les tours soient brûlées. Et maintenant, il faut attaquer tout de suite. Tous les hommes sont prêts pour la bataille. Nous n'attendons plus que ton ordre. Le moment est venu. Que le ciel nous protège. Le temps presse. Allons, c'est moi qui commanderai. Non, un instant. Tu ne dois pas t'exposer. Il y a des chevaliers qui peuvent le faire à ta place. Laisse-leur l'honneur de diriger cette attaque décisive. Oh, regarde, les voilà qui reviennent. Qui? Yes, c'est Renaud. Oui, c'est Renaud. Renaud, voilà. Il revient parmi nous. Congrès est avec lui. Je te demande de me pardonner, Godefroy. C'est toi qui avais raison. J'essaierai de racheter ma faute. Ce n'est pas à moi qu'il faut demander pardon, mais à notre cause. Renaud, va et combat. Il faut faire cesser cette guerre.
Vous êtes revenu à point nommé pour l'assaut décisif de demain. Tout est bien ainsi. Ta présence nous apporte une force nouvelle. Allons, viens. En avant! À la muraille! En avant! À la muraille! Tous à la muraille! En avant! En avant! C'est le jour de la victoire! Suivez-moi! Pour notre juste compte! En avant! À la muraille! C'est le jour de notre victoire! Rien ne nous arrêtera! En avant! Tu as vu? Il n'y a aucun doute. Ils vont tenter d'escalader la muraille. Rassure-toi, je leur réserve un accueil de choix. Il ne faut pas attendre davantage. Il faut absolument les empêcher d'approcher leur tour de la muraille. Oui, nous allons sortir. Avec Clorinda, nous allons tenter l'attaque finale. Va! Approchez-vous de la muraille et vous autres, amenez les échelles. Allons, pressez-vous. Si tu veux la vie sauve. Clorinda. Tancred. Oh, je ne pouvais rien espérer de mieux. Je meurs entre tes bras. Non, Clorinda. Non, Clorinda, ce n'est pas possible. Je t'en prie, Tancred. Grâce à toi, j'ai compris que la guerre n'est pas tout. Maintenant, je peux t'avouer que je t'aime. Et si c'est une faute, je l'expie en mourant. Non, Clorinda, tu ne dois pas mourir.
Je ne pourrai plus vivre sans toi. Je t'en prie. Il ne reste que peu de temps. Parle-moi encore. Garde-moi là, dans tes bras. Je mourrai heureuse. Il est inutile de résister. Il faut nous trancher derrière la muraille. Alma ou la Corinda. Le ciel s'ouvre enfin à mon âme. Sois heureux. Comme je le suis en ce moment. Non, Clorinda. Tancred ! Alors c'est là que tu te caches pour te dérober à ton destin. Tu n'es qu'un lâche ! Épargne-moi tes insultes. Clorinda est morte. Respecte ma douleur. Qu'est-ce que tu dis ? Assassin ! C'est toi qui l'as tué ! Tiens ! Attends, Argante. Il faut la laisser en paix. Je veux punir le misérable qui l'a tué. Écoute. Clorinda s'est battue jusqu'au bout. Elle est morte ruse. Respecte sa volonté de paix. Ce sont des mots pour te dérober au châtiment. Défends-toi, lâche. Tu la reconnais? C'est l'épée de Clorinda. Je vais m'en servir pour la délivrer de ta présence. Défends-toi. Thank you.
le cheval de Tancred. Dans ce cas, il ne doit pas être loin. Je ne vois aucune trace. Si, regarde, son casque. Mon Dieu, espérons qu'il est encore vivant. Le voilà. Il est vivant. Il doit avoir perdu beaucoup de sang. Sois loué, oh mon Dieu. Ainsi, ta sagesse et la puissance de tes armées ont vaincu. La ville et mon peuple sont désormais entre tes mains. Nous avons eu en toi et en tes hommes des adversaires forts et loyaux. Tu peux t'en aller, Aladdin. Tu es libre, comme est libre tout ton peuple. Moi et tous mes croisés, nous ne sommes pas venus dans ton pays afin de conquérir tes immenses richesses. Nous avons combattu pour la justice et le ciel nous a assez récompensés en nous accordant cette victoire.